Bon show pour tous! Tu vas voir, Michel. Avec ma tarte escalope kiwi, on va gagner le concours de l'original tarte. Oui. Grâce à mon four à chaleur tritournante, la cuisson sera parfaite. Cette année, tu vas perdre, Jean-Dive. Les escalopes! J'ai oublié d'acheter les escalopes! Pause technique. Je file au chip shop. J'en ai pour 2 minutes. Oui. Oui. Bonjour. Piment Trébor de l'association Bancho pour tous. Savez-vous, jeune homme, que des dizaines de vieux ont les fesses congelées à force de s'asseoir sur les bancs froids l'hiver? Certains ont même dû se faire amputer une partie du postérieur. La situation est terrible. Mais vous pouvez empêcher ce massacre en faisant don d'objets dont vous n'avez plus l'utilité. Et grâce à la vente des objets récoltés, des bancs chauffés seront installés dans tous les parcs de la ville. Michel, mes fesses sont fières de toi. Bah, oh. Merci. Tenez, pour chaque donation, nous offrons une paire d'espadrilles. Eh bien, au revoir et merci encore. Bah. Oh, il est très joli. C'est un Ming, si je ne m'abuse. Michel, regarde ce qu'il y avait en bonus avec les escalopes. De la ficelle à rôti musicale. Mais, qu'est-ce que... Attention. Mon lit, pardon. Vous pouvez être fier. Votre fils est très généreux. Grâce à lui, les seigneurs d'Asmakulash auront les fesses bien au chaud cet hiver. Allô? M'entendez pas? Déposez-moi au parc. C'est pas grave, Michel. On peut tout à fait vivre sans meubles. Mais pas sans mon four à chaleur tritournante. Oh. Ça va lui passer. Ce que tu as fait, c'est un très beau geste. Il faut savoir défendre les causes auxquelles on croit. Oui. Le concours. Mes escalopes. Comment je vais cuire ma tarte? Ma tarte va être toute crue. Allez, allez, c'est pas grave. On va passer à la banque, retirer sur notre compte épargne. On ne peut plus faire confiance aux banques de nos jours. Faites comme moi. Retirez toutes vos économies et planquez-les sous votre matelas. Michel, le matelas, tu l'as donné à... Ah. On n'aurait peut-être pas dû écouter les conseils de Pépé Pipo. On n'a plus rien. Merci, mon chéri. Michel a raison. Il faut être créatif. On va se fabriquer des nouveaux meubles. Allez, on les cœur, tous à la décharge. Il y a quelques années, c'était de la science-fiction. Aujourd'hui, c'est la réalité. Les banchos sont arrivés à Asmakulash. Salut. Monsieur, pensez-vous que les banchos vont améliorer votre quotidien? Oui, c'est pas trop tôt. J'en avais marre d'avoir les fesses congelées l'hiver. Aïe! Oh, ça brûle! Il y a encore 2 ou 3 réglages à faire. Regarde! Un actinidia? Des kiwis? Dieu existe! Et hop, une casserole. Oui. Michel, on y va. Qu'est-ce qu'il y a? Mais dites-moi! Sabine, apportez-moi le catalogue des prothèses de fesses. J'ai trouvé 2 silex pour faire un feu. Il me manque juste un peu de garniture pour la tarte. Alors, Fréjus, prêt pour le concours de demain? Salut, Jean-Dive. Et comment? Je suis toujours prêt pour te mettre la pâtée. Ah, ça m'étonnerait. Je viens de m'acheter un four d'occasion en très bon état. Une merveille. Je vais te battre à plate couture. Vous
vous êtes sûr que vous voulez pas que je demande à mon père de vous prêter son réchaud à gaz? Non, Thénatus. Michel t'a invité pour que tu goûtes ma tarte escalope kiwi. Tu goûteras ma tarte escalope kiwi. Et je la réussirai sans l'aide de personne. Je ne suis pas un assisté de la cuisine, moi. C'est infect. Sans four, je ne suis qu'un incapable. Un rien du tout. Non, non, c'est très bon, je t'assure. Rien du tout. Un nul. Pas capable de faire cuire un œuf. Ça y est, ça le reprend. C'est les mêmes symptômes que la fois où il avait raté son soufflé au chorizo. Un nul. Pas capable de faire cuire un œuf. Moi aussi, la fois où j'ai fait exploser la maison, j'ai eu du mal à renouer avec mon père. Tiens, c'est la théorie de la relativité d'Einstein. Quand tu penses au carré de la vitesse, tout devient dérisoire. Pour faire cuire un œuf. À demain. La relativité d'Einstein contre votre four à chaleur tritournante. Normalement, on ne fait pas d'échange. Bon, vous avez été très généreux avec nous. Je veux bien faire une exception. Tritournante. Ah non, pardon, j'ai déjà revendu votre four. Un gros monsieur moustachu qui a un nom de salade. Monsieur Landive, je crois. L'espace physique, supposé homogène et isotrope, est équivalent à un espace de dimension 3. Et c'est pour ça que E égale MC2. Et voilà. Bonne nuit, mon chéri. Oh, il est midi. Évidemment, sans réveil. Bon, je crois qu'il est trop tard pour aller travailler de toute façon. Moi aussi, j'ai faim. Fréjus, qu'est-ce qu'on a à manger? Il y avait déjà tous ces chats hier. Aidez-moi à les faire sortir. Allez, oust. Allez, Minou. Allez, du calme. Ah, mais t'as trop Finalement, on s'est débarrassé d'eux d'une certaine façon. Ah, c'est donc un de ces fameux bancs chauffés. Oh, ça fait du bien. Mon chéri, tu as faim. On n'a toujours pas déjeuné. Attendez. Tadam! Oh! Mon kit de secours de pâte à tarte. Je l'ai toujours sur moi en cas d'extrême urgence. Une portion de farine, 2 beurres et 4 œufs. Des œufs au plat. C'est la fête. Tu penses au concours? Cette année, ce sera sans moi. Michel a raison, tu dois y aller. Il faut être créatif. Mais je n'ai plus que de la farine. Michel et moi, nous croyons en toi. Tu as le potentiel, Fréjus. Oui. Encore une fois, monsieur Gendive, c'est surpassé. Je crois que nous tenons notre gagnant. Attendez! Laissez-moi vous présenter ma tarte à la pâte à tarte. La cuisson est parfaite. C'est croustillant. Ça a le goût de la campagne. C'est très... Minimal cuisine? Oui, tout à fait. Vous êtes notre gagnant. J'ai le plaisir de vous remettre notre premier prix. Un magnifique lit de place offert par l'association Bancho pour tous. C'est notre matelas. Et dire que j'ai tout misé sur ce four à triple chaleur tournante. Quel gadget! Merci, mon Michel. Tu m'as ouvert un nouvel horizon culinaire. La cuisson sur Bancho est l'avenir de la gastronomie. Excusez-moi, c'est libre? Oui.
Yam. Ces nouvelles fesses sont très confortables. Qui veut des côtelettes? Moi! 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 Moi!